Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue sur la chaîne Les Jeux du Cygne. Je suis Chobiti et je vais vous présenter aujourd'hui Potion Permite, qui est un petit RPG où on joue un apothicaire qui est sorti il y a déjà quelques temps. Mais je remercie P-Cube, qui est l'éditeur, pour nous avoir offert une clé qui me permet aujourd'hui de vous le présenter tout simplement. On va aller faire des potions et soigner des gens. Nous voilà donc sur l'écran d'accueil. On va faire jouer. On va sélectionner ma partie. Donc j'ai déjà fait une bonne partie du tuto. Et je vais un peu vous expliquer ce qui nous attend. Donc me voilà. On voit en haut à droite qu'il est dimanche et qu'il est 6 heures. Vous voyez, le temps passe tout seul. Donc il va y avoir une notion du temps qui va être assez importante. Et donc je sors de chez moi. Et il y a des gens à la clinique. Hey, Chobiti! Que penses-tu de l'apparence du nouveau bâtiment? Il est génial, non? Rainer m'a aidé à installer quelques trucs importants. Ouais, c'est toujours aussi délabré qu'avant, mais... Tu entends bien ce son? Je sonnerai le cor quand un de nos résidents tombera malade et qu'on l'amènera ici. Comme ça, tu sauras quand tu auras un nouveau patient. Salut, apothicaire. J'espère que mon œuvre te plaît. Bon, je crois que j'ai fini. Je vais y aller. Merci pour ton aide, Rainer. Pas de problème, si vous voulez bien m'excuser. Merveilleux! Tu disposes maintenant d'un endroit convenable pour que tes patients puissent se rétablir. Dorénavant, je dirai à tout le monde de venir s'ils tombent malades. Traite tout le monde avec le plus grand soin. Je te fais confiance et je compte sur toi. Si tu échoues, eh bien, nous sommes une grande famille. Si tu blesses l'un d'entre nous, tu nous blesses tous. Bon, je dois y aller. Passe une bonne journée, Chobiti. Et donc, la petite histoire, c'est qu'on est, de la capitale, qu'on est un apothicaire, et qu'on a été envoyé sur cette petite île. Et la ville s'appelle Moonsbury, et les gens n'aiment pas les apothicaires de la capitale, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a très longtemps. Mais ils ont décidé de nous faire confiance. Enfin, c'est surtout le maire qui a décidé de nous faire confiance. Et donc, on va avoir un système pour, améliorer notre clinique, ça c'est cool. Et pour avoir les patients, donc en fait on voit juste au-dessus, en haut à droite de dimanche, qu'il y a la petite cloche, donc là elle est pas rouge, donc il ne se passe rien. Et tout va bien. Et vous voyez, typiquement ici, c'est mon chez moi, on m'a donné une maison toute délabrée. Donc, on va voir ce qu'on peut en faire. Alors moi je voudrais... On est dimanche, je voudrais aller à l'église. Oh, tu aimes les papillons, toi. Alors, je peux te parler. Mais quoi, mes cheveux? Ils sont fabuleux, pas vrai? Je les éteins moi-même! Et donc, on a un système de confiance avec les habitants. Donc, on voit en haut à gauche qu'on a le petit pouce vert. Donc, il est vert, tout va bien. S'il est rouge, les gens ne nous aiment pas. Je suis paumée. L'église est là. Ok. Donc on a notre petite carte et on a un petit chien. Donc on peut l'appeler, on peut le caresser, on peut le nourrir, on peut lui demander de nous aider à trouver des PNJ. Et donc j'ai dit que j'allais à l'église. L'église est là. Ferme le mercredi. Donc là, elle est ouverte.
Puisqu'on est dimanche, hein, forcément, il va y avoir des choses possibles et des choses pas possibles. Actuellement indisponible. Ah, arnaque. Je voulais faire le mini-jeu ici et le mini-jeu n'est pas disponible. Alors, du coup. Alors, on a une encyclopédie hein, qui nous donne tous les gens qu'on a rencontrés. Donc, bien sûr, si on les a rencontrés, on va pouvoir demander à notre chien de les retrouver. Les créatures, moi je voulais pas le tableau d'affichage, les mini-jeux. Voilà, les mini-jeux. Voilà. Travail à temps partiel. Le commissariat, l'église ou bureau de poste. Donc là, à l'église, il veut pas le bureau de poste. Le bureau de poste. C'est où le bureau de poste? Ah ben, je l'ai pas le bureau de poste. Pas encore, on dirait. Ici, non. Ici non plus, poste de garde. Ok, j'ai pas le bureau de poste. C'est pas grave. Donc ici, c'est en travaux parce que j'ai une quête. Je sais pas si je suis déjà allée au bain, je crois pas. On va y aller. On va visiter un peu. Donc, ce que je peux montrer également, c'est qu'on a les quêtes. Donc ici, j'ai pas de quête disponible. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, j'en ai une, mais qui est pas vraiment une quête en tant que quête. C'est ici, pour améliorer, il y a quelque chose à faire. Et ça ne compte pas comme une quête. Donc la ferme. Hop. Et les bains, c'est par là. Il y a un panneau d'affichage. Ferme le jeudi. On n'est pas jeudi, tout va bien. Ah, j'étais jamais venue. Donc, petite ciné. Tu espérais prendre un bain? Les bains du Sol ne sont pas aussi chics que ceux de la capitale, j'imagine. Mais c'est tout ce qu'il y a sur cette île. Entre, n'hésite pas. Mais ne paie pas le bazar, j'en ai marre de nettoyer cet endroit en permanence. Ok, donc. Donc, on peut. Je m'appelle Olive, je suis la propriétaire des thermes. Tu devrais prendre un bain. Salissant de se balader en ville. Eh ben, allons-y. Voulez-vous prendre un bain? Attention, un bain prend 2 heures. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 heures de notre temps qui vont disparaître. Allez, on prend un bain. J'ai même pas fait gaffe si c'était payant. Si ça allait m'enlever de la thune. De l'argent, de la flouze, des pépettes. J'ai pas l'impression. Mon stock en haut à droite est resté à 752. Donc j'ai l'impression que c'est bon. Bonjour, je m'appelle Cassandra, je suis la copropriétaire des thermes de Moonbury et l'épouse du chef de la police. J'espère qu'Osman n'a pas été trop dur avec toi. Il n'aime pas beaucoup les étrangers. Et donc, à chaque fois que vous rencontrez les personnages pour la première fois, ben vous avez du coup une petite discussion, ce qui vous permet de les ajouter en fait tout simplement dans votre encyclopédie. Et on voit ben, l'état de nos relations avec eux.
On voit qu'il y a des gens avec qui j'ai déjà un peu discuté. Donc il y a un petit début de jauge verte. Et il y en a d'autres, et pas du tout. Donc du coup, il est 11h40. On peut aller à la ferme. T'es apothicaire, c'est ça? Et bah, tu crains. Déjà, c'est quoi un apothicaire? Voilà, on gagne un petit peu de confiance. Les gens nous connaissent. Et les gens sont contents. Je pense que le commissariat, on est dimanche, il doit être fermé. On va quand même aller jeter un œil. Le commissariat, il est. Donc ça c'est la mairie, ça c'est la taverne. Tu as quelque chose à signaler? Parfait. On peut leur faire des cadeaux aussi aux gens. Ah, et mon chien a faim. Donc mon chien a faim, donc je le siffle pour pouvoir interagir avec lui. Et je vais le nourrir. Ah bah j'ai pas grand-chose à manger. Tiens, j'avais pas plus que du jus de pomme? Ah si, mais je les ai donnés pour une quête. Donc je vais donner. Ah, mon chien adore la viande. Bon, bah, on sait ce qu'on va lui donner, hein, la viande. Ok, le commissariat est ouvert. Donc on va faire le mini-jeu du commissariat. Oui, je veux faire le tri au commissariat, le mini-jeu de la. Oups. Oups. Heureusement que les erreurs ne comptent pas, hein. J'ai gagné 125 pièces. Et je peux discuter avec Haussmann. En tant que représentant de la loi, je dois rester strict et discipliné en toutes circonstances. Il n'y a aucune excuse valable pour rester à ne rien faire. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on a fait ça. Ce qui me permet d'avoir un peu d'argent. Mais je vais peut-être aller essayer les machines à sous. Voir si je peux gagner un peu d'argent. Alors, comment ça fonctionne? Ah, je le voulais bien le didacticiel en fait. L'impression qu'il y a des taupes qu'il faut que je tape et d'autres non. Ouais, c'est ça, celle-là, ça me donne. Ok, donc un petit tap-top. Ok. Et on gagne pas d'argent, visiblement. Juste. Alors je me demande si c'est du tap-top à tous ou pas. Ah! Il y a mon chien! Ok. Zut, trop lent.
Et où ça se mange pas? La viande, c'est bon. Bah, j'ai fait exactement le même score. 3200. Ok. Donc on a des petits mini-jeux comme ça pour passer le temps et jouer. Puisque vous l'avez compris, on est sur du temps plus ou moins réel. Et que donc, on va pouvoir faire des choses. Il est en pleine chasse au trésor. Donc, je vais faire ça. Je vais aller me coucher, puisqu'aujourd'hui, pas grand-chose à faire. Ah, parfait! On a une petite alerte, on a un patient à soigner. Contente que tu aies tendu la corne. On a pris les devants et mis le patient à l'aise dans un des lits libres. J'espère que tu l'aideras à se sentir mieux au plus vite. Si tu peux pas, on devra l'emmener chez Mathéo. On peut pas risquer la santé d'un de nos concitoyens. Si tu te plantes pas, Mathéo n'aura pas à intervenir, tu comprends? Donc Mathéo, c'est le guérisseur du village. Hein. Ok, donc on a un certain nombre de jours pour guérir les patients. Alors, bonjour Laura. Je me sens bizarre. Au niveau de la cuisse gauche. Au niveau de la cheville gauche. Donc on va faire un diagnostic. La cuisse gauche, c'est là. Oh mon dieu. Donc à chaque fois on a un mini-jeu qui peut être un peu différent. Donc, mini-jeu, mémoriser une série de commandes. Oh mon dieu, j'ai déjà oublié. Non mais cherche pas... Oh, oh, oh. Droite, bas, droite. Ça va. Il y en avait que trois à mémoriser. Mon cerveau est quand même pas encore trop en mauvais état. Donc il faudra des gouttes de soleil pour ça. La cheville. Donc ici, c'est du Guitar Hero. Oups. Que j'ai tendance à pas réussir. Ah, on va devoir recommencer. On a raté. Donc il va falloir recommencer le diagnostic et le patient, il peut ne plus être très content après, si on se rate un peu trop souvent.
Donc, il faut du baume neutralisant. Ok. Donc là, j'avais ce qu'il fallait. Elle l'a pris automatiquement. Ici, il faut que j'aille faire du baume neutralisant. Donc, allons faire du baume neutralisant dans notre potionnerie. Donc, voici mon appareil à potion. Et on me dit que j'ai besoin d'un baume neutralisant qui est ici. Et en fait, notre système de potionnerie, c'est qu'on a une forme à droite. Et on va devoir, eh ben, compléter cette forme avec ce qu'on a. Donc on me dit que j'ai déjà une recette. Non, j'ai pas la recette. Ok. Donc, ici j'ai le droit à tout. Le feu, l'eau, le vent et la terre. Alors parfois il va falloir que j'aille chercher d'autres matériaux parce que j'aurai pas ce qu'il faut. Imaginons que j'ai envie de mettre deux pattes d'ours. Eh ben j'en ai qu'une, donc je l'ai un peu dans l'os. Et donc du coup, je complète. Ça c'est pas mal. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça, j'en ai 4. Et ça, j'en ai 5. Et du coup. Je fabrique ma potion. Et je vais pouvoir aller la donner au malade. Dont j'ai déjà oublié le prénom. Laura. Donc Laura, ici c'est guéri. Ici, je te donne le baume neutralisant. Et voilà! On a guéri Laura! Je crois que je vais mieux! Je peux rentrer chez moi! Pouh! Et du coup, on a gagné un petit peu d'argent et un petit peu de matériaux! Et surtout, eh ben, l'alarme ne sonne plus! Ce qui est merveilleux! T'as besoin de quelque chose? Donc je pourrais décider de donner eh ben, la petite. Gousse de lune à quelqu'un dont j'aurais envie. J'aurais envie de me lier d'amitié. Alors là, c'est la mairie. Je voulais aller. Moi, je voulais aller. Je voulais aller voir si, à tout hasard, on pourrait avoir le mini-jeu de là. On nous a signalé que tu traînais autour de la mairie dernièrement. On peut savoir ce que tu cherches? Juste rien quoi, je vis. Alors. Ah, chouette. Une nonne. Oh, salut. Tu pourrais m'aider à me relever? Moi, je broie du raisin. Pour être honnête, ce genre d'activité est trop difficile pour moi. J'ai essayé de trouver de l'aide, mais sans succès jusqu'à présent. Tu pourrais peut-être me dépanner une autre fois. Super! La prochaine fois, tu pourras t'inscrire au tableau près de l'entrée. Mais c'est exactement ce qu'on va aller faire. On va s'inscrire au panneau près de l'entrée. Bien sûr, je te rendrai l'appareil. Top, 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 top. Bonjour, je suis la sœur Cecilia.
J'ai cru comprendre que la communauté de Moonbury ne t'appréciait pas trop. Ne t'en fais pas, notre église est ouverte à tout le monde. Eh ben parfait, moi je veux le panneau, donne-moi le panneau! Meuf, t'es devant! Alors la bonne nouvelle c'est que... Eh ben ils ont tendance à bouger, voilà. Voulez-vous aider à broyer des raisins à l'église? Ben oui. Alors, l'objectif est de broyer autant de raisins que possible dans le temps imparti. Fail. Oh. Ok. Il est raté. Je peux réessayer. Meuf. Je peux réessayer. Ah non, je peux pas réessayer. Donc j'ai raté. Je ne peux pas réessayer. Et pendant que j'y suis... Je vais montrer un petit peu. Putain, mais il est avec ses haltères au milieu de la foule. Un petit peu ce qu'on peut faire en dehors de la ville, hein, puisque bien évidemment on va pouvoir aller chercher des matériaux. Et du coup, ça va être eh ben, en haut à gauche. Vous voyez, on a notre sélection d'outils qu'on pourra bien évidemment améliorer ensuite. Et donc, on peut. Tout simplement ramasser des matériaux. On peut aussi taper les monstres. Hein. Donc les monstres nous donnent des matériaux aussi quand ils veulent bien. Et il faut bien sûr choisir le bon outil pour les bonnes choses. Donc il y a des monstres qui sont complètement pacifiques et il y en a d'autres eh ben, qui vont vous attaquer parce que vous êtes sur leur territoire. Et moi du coup je voulais aller voir là, est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas assez de bois, j'ai pas assez de pierre. Ok, donc il va falloir que je cherche du bois et que je cherche de la pierre. Et j'ai pas assez d'argent et ça... Malheureusement, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, donc... On va avoir des petites difficultés à en trouver. Oh, un joli minerai de fer. Oh, t'as faim, mon gars. Ah merde, je crois que j'ai que du jus de pomme. Pas sûr que t'aimes le jus de pomme. Et donc, celui-là est un petit peu plus dur. Faudra sans doute que j'améliore. Mes outils. Hop. Le nounours m'a donné du miel. Donc on va aller chercher de quoi nourrir notre chien. Et bien évidemment, hein, si on prend le mauvais outil sur la mauvaise chose, eh bien ça ne marche pas. Mon chien a faim. Moi j'y tiens, mon chien. Donc je vais aller lui acheter ce qu'il lui faut. Avant qu'il ne crève de faim, même si je pense pas qu'il puisse réellement crever de faim, on voit bien qu'il est pas en super forme. Alors, on veut aller à la ferme est là, donc on va se téléporter ici. Et ça sera bien la dernière chose qu'on va faire, acheter un peu de nourriture pour notre chien. Avec notre petit argent durement gagné. Bonjour machin, je veux... Ferme le lundi. Crotte, on est lundi. Ah, je m'appelle Luc. Alors comment ça, tu viens de la capitale? Tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce sujet, un de ces quatre? Ah, la ferme est fermée, la ferme est fermée, on va aller à la taverne.
Parce que je dois nourrir mon chien et que je n'ai pas fait de provisions. Et que pour l'instant, il n'y a rien à faire ici. Je veux nourrir mon chien. Alors, il doit y avoir un petit truc à manger qui va être content de manger. Alors. Ferme le lundi. Mais tout le monde est fermé le lundi, en fait. Non, parce que je te donne pas du jus de pomme, enfin. Il y a des petites conversations en plus qu'on peut trouver. Zut, je vais remonter par là. Et oui, je fais un petit peu des allers-retours pour pas grand-chose. Ça, c'est l'église. Top, top, top. Il y a un bar par ici, sur la plage. Dites-moi qu'il n'est pas fermé. Ah, ouvre mercredi, jeudi, samedi. Ok, bon, bah, pas de chance. Je vais donc donner du jus de pomme à mon chien et je pense qu'il va nous le vomir parce que. Oh, c'est toi, tu me sens de quelque chose? Je m'appelle Cœur d'Opale, je suis forgeronne. Tu as peut-être entendu parler de mes créations? Ah ouais, mais là, moi, je voudrais donner à manger à mon chien. Ah, je peux lui donner un. Ah, il y a le petit symbole. Je pense qu'il doit aimer le. On va tenter parce que j'avais pas noté qu'il y avait un petit symbole. Il aime peut-être le miel, mon chien. Alors pas autant que la viande, visiblement. Mais ouais. Et du coup, bah, ça montre toute l'intérêt de se savoir quel jour on est et quel genre de choses il faut faire. Puisque là, typiquement, bah, le lundi, y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Et du coup, bah, j'ai pas pu acheter ce que je voulais acheter. Et pour l'instant, j'ai pas gagné assez la confiance des gens pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, on remarque qu'il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut faire. Pas mal de petits mini-jeux. De petites choses à faire. Je peux pas acheter là avec la. Ferme le mardi. Ah oui, mais c'est ouvert jusqu'à 15h, donc il s'est fermé. Et donc, il y a quand même tout un tas de petits trucs qu'on peut faire, d'endroits qu'on peut explorer. Et pour l'instant, eh ben, on est qu'au tout début du jeu, hein, donc faut imaginer que, eh ben, au fur et à mesure. Ça va s'agrandir, on va pouvoir explorer bah, toute l'île. Et que, eh ben, y a quand même un sacré paquet de gens avec lesquels on peut interagir. Parce qu'on le voit quand même dans l'encyclopédie, il y a quand même un petit paquet de gens, un petit paquet de recettes, un petit paquet de mini-jeux et de choses à faire. Et je le trouve pour ça très chill. Alors j'ai pas encore regardé ce qu'il fallait pour pêcher. Mais j'imagine que je pourrais acheter une canne à pêche et pêcher. Moi, le jeu me plaît bien. J'espère que la découverte vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!